Qui peut se vanter de connaître les hommes? Il a essayé d'étrangler le nouveau. Cette fois, ils vont lui régler son compte. Bouddha, il a essayé d'étrangler le nouveau. Cette fois, ils vont lui régler son compte. Une descente. D'abord les gaz anesthésiants, 5 minutes pour les endormir. Ensuite, on a une heure pour faire nos prélèvements. Et on emmène Bouddha en salle de soins. Ça ne servira pas à grand-chose, il supporte mal les traitements. Vous avez quelque chose de mieux à proposer ? C'est peut-être l'occasion de tester mes nouveaux protocoles. De quoi s'agit-il exactement? De la nanotechnologie. Des programmes intelligents qui essaient de neutraliser les dysfonctionnements chromosomiques. Si vous ne le saviez pas. J'ai vu Bouddha réagir d'une façon très violente à votre traitement. Réaction normale de défense. Le programme, quand il se déclenche, rajoute des séquences correctrices à l'ADN. Si les séquences rajoutées n'entrent pas en conflit avec les séquences existantes... C'est le risque. Voyons si vous êtes aussi génial que ça. Voyons si vous êtes aussi génial que ça. Résurrection ou pas, je dois expérimenter de nouveaux traitements sur cet homme et je compte bien m'acquitter de ma tâche. Résurrection ou pas, je dois expérimenter de nouveaux traitements sur cet homme et je compte bien m'acquitter de ma tâche. Résurrection ou pas, je dois expérimenter de nouveaux traitements sur cet homme et je compte bien m'acquitter de ma tâche. Résurrection ou pas, je dois expérimenter de nouveaux traitements sur cet homme et je compte bien m'acquitter de ma tâche. Voyons si vous êtes aussi génial que ça. 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 Je te l'ai déjà dit, César. Ce mec-là est un ange envoyé par Dieu.
suis certain de l'avoir vu agoniser devant nous. Il a reçu au moins 10 blessures mortelles. Voyons si vous êtes aussi génial que ça. Voyons si vous êtes aussi génial que ça. Voyons si vous êtes aussi génial que ça. Je suis certain de l'avoir vu agoniser devant nous. Il a reçu au moins 10 blessures mortelles. Résurrection ou pas, je dois expérimenter de nouveaux traitements sur cet homme et je compte bien m'acquitter de ma tâche. Comment expliquez-vous ces interventions miraculeuses sur les autres ? Le caractère miraculeux de ces interventions n'est absolument pas prouvé. C'est un triste chemin que de monter et de descendre l'escalier d'autrui. De vulgaires programmes informatiques. Hé, tu sais ce qu'on fait ? En cas d'épidémie, on brûle tout. Moi, grâce à ton mot de passe, j'ai tout verrouillé. Hein ? C'est mon apocalypse, ma poule. Oh, oh. Efface nos mémoires. Ils veulent nous défragmenter dans le néant. Donnez des allumettes à un pyromane. Abandonne-toi à Dieu. Dieu de l'emmerde. Si c'est ça sa création, si c'est nous ses créatures, il aurait mieux fait nous laisser croupir dans le néant. Voyons si vous êtes aussi génial que ça. Je te l'ai déjà dit, César. Ce mec-là est un ange envoyé par Dieu.
concerne pas le prophète. Bouddha a changé, il est guéri. Tu ferais mieux de dégager. Allez! Blessure mortelle. Il avait pratiquement perdu tout son sang. C'est un triste chemin que demander de descendre l'escalier d'autrui. Tester mes nouveaux protocoles. De quoi s'agit-il exactement ? De la nanotechnologie. Des programmes intelligents qui essaient de neutraliser les dysfonctionnements chromosomiques. En effet. Comment s'est passée votre expérience ? Comme si vous ne le saviez pas. J'ai vu Bouddha réagir d'une façon très violente à votre traitement. Réaction normale de défense. Le programme, quand il se déclenche, rajoute des séquences correctrices à l'ADN. Et les séquences rajoutées n'entrent pas en conflit avec les séquences existantes ? C'est le risque. Nous ne pouvons pas encore prédire avec exactitude la réponse des gènes sur les cobayes humains. Sur les cobayes humains ?